va donner. Bah écoute, malheureusement, vu qu'il est inutile au combat, je vais lui donner deux Dragon Ball. Deux Dragon Ball sur 5. Deux Dragon Ball sur 5. Deux Dragon Ball sur 5. Donc, Sir Boubou pour le Space Cleaner. Alors, on va voir si tu te rattrapes avec celui-là. Space Cleaner. Ouf. Boum. Le truc. Alors là, on a The. Mon Dieu. Avez-vous vu ça? On dirait un os, quoi. On dirait un gros os. Mais il est pas mal au niveau de son blindage. Alors ça, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Alors, on a un armement à l'avant de lance-roquettes qui est très bien placé, qui ne fera aucun dégât à la coque, ça c'est certain. Donc là, c'est pas mal. On voit qu'il a mis des caméras à l'avant pour pouvoir le piloter de l'intérieur sans avoir donc son cockpit est extrêmement bien défendu. Alors là, en tout cas, on peut dire qu'il se rattrape beaucoup avec ce vaisseau au niveau de l'utilisation, puisque vraiment, ce vaisseau a une défense incroyable au niveau de son cockpit. Et il faut savoir que les cockpits sont assez sont comment dirais-je sont sont assez assez fragiles dans Space Engineer. Donc il a que de l'armement lance-roquettes, mais c'est un bombardier, donc c'est l'objectif, c'est vraiment de faire une charge, lancer des roquettes puis partir. Donc la poussée arrière est énorme, ce qui est bien. La poussée du dessus est très très bien. Donc ici on a vraiment vraiment de la. Ah ouais, donc poussée en dessous aussi. Voyons voir latéralement. Latéralement c'est bon. Maintenant il est très très imposant. Pourquoi ne pas en avoir mis là? Ah bah oui, parce qu'il y a les lance-roquettes. Donc ça aurait dépassé, ça aurait fait un peu dégueu. Et ça aurait peut-être été superflu. Quoi qu'il arrive, on va l'utiliser. Alors on va l'utiliser en vue troisième personne, hein, mais dans le jeu on peut utiliser aussi la vue première personne et on peut maintenant faire des serveurs où il y a la possibilité de n'autoriser que la première personne, ce qui fait que les gens vont être obligés d'utiliser des caméras s'ils sont sur des gros vaisseaux, ce qui est bien, ce qui donne un côté un peu RP au jeu. Hop, on va rentrer dans le cockpit. On voit rien, effectivement, c'est normal, il faut utiliser la caméra, on va les utiliser. Voilà la première caméra, la deuxième caméra, donc qui est juste en dessous de la première, donc ça change pas. En quelque sorte, c'est une caméra de secours si la première se faisait détruire. Donc, avançons avec ça, donc pas de brûlure avec les trucs, c'est bien. Alors déjà, moi je trouve qu'il a quand même de la gueule quand il avance. Là, on se sent on se sent déjà dans un truc imposant et puissant. Et il prend vite de la vitesse, voyons voir comment il décélère très très bien. Donc bonne décélération. Maintenant au niveau de sa consommation, il est à 63% de sa consommation si je tourne. Surcharge, voilà, regardez, hop, si je tourne, on est en surcharge. Malheureusement, ça va pomper beaucoup d'uranium, la surcharge. Maintenant, quand le vaisseau est en surcharge dans les nouvelles mises à jour, eh bien l'uranium part plus vite. Parce que en gros, c'est comme s'il forçait sur ses ressources. Donc. C'est bien d'avoir mis beaucoup de réacteurs, en effet, et c'est un peu ce que je me disais. Au niveau de ton énergie, ça a été un petit peu mal étudié. Tu aurais pu mettre un peu plus d'énergie dans ton vaisseau si tu as la place. Peut-être que tu n'avais pas simplement la place avec un truc pareil pour mettre plus d'énergie. On va tester donc son armement qui tire vraiment des gros barrages de roquettes. Hein, vous voyez, vraiment, ça pardonne pas. On va faire. Pas besoin de faire le crash test tournant parce qu'on sait bien que les lance-roquettes ne se détruiront pas ici. Voilà au niveau de sa vitesse. Alors on va voir si on peut bien le récupérer sur un tournant. On est quand même à 63% de son énergie utilisée simplement en avancée. Donc, je vais tourner à gauche par exemple. On est à 80. Donc si on fait juste en tournant mais sans prendre d'angle, ce qui est rare dans le jeu, je vous le dis quand même. Voilà, surcharge, ça surcharge quand même. Il est quand même utilisable. Mais j'ai envie de dire que c'est quand même un bombardier qui peut être bien utile, quoi. C'est pas comme s'il était obsolète et il est bien défendu et il a un armement suffisamment. Voyons voir un petit peu ce qu'on voit avec les caméras lorsqu'on est en phase de combat. Boum, boum. Vous voyez les étages des roquettes qui partent. Ah, c'est bien. Celui-là, je suis d'accord. Celui-là, je suis d'accord. Paris que ça va encore crasher? Non, ça va. J'ai vu le truc friser, je me suis dit, ça va crasher. Ça va pas crash. Donc, celui-là, en tout cas, on peut dire qu'au niveau de son armement, on est d'accord, c'est un bombardier. Et on peut dire également qu'au niveau de son blindage, on est d'accord, ça tient la route. Au niveau de son énergie, c'est le seul problème qu'il a, ce sera le seul point faible. Mais on va pouvoir lui donner. J'ai dit qu'il ressemblait à un os. Il ressemble à un os, donc on va lui donner un peu plus que les autres, donc je dirais
7 papillons de nuit. 7 papillons de nuit sur 11. Pas sur 10, parce que je vais un peu faire le chiant, mais sur 11. Donc 7 papillons de nuit, ou 6. Non, 7 papillons de nuit sur 11. Ouais, c'est parfait. Alors, il y a encore des bouts de message du don. Ah bah oui. Parce qu'il est con ce don, quoi. Oui, voilà, je sais pas. Oui, c'est quand le don s'est affiché, il y a eu une deuxième fenêtre qui s'est mise dessus et ça a copié le truc. Voilà, je l'ai supprimé. Oui, n'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes. Hein. Merci de bien le signaler. Alors, il est plutôt classe, donc dit Titan Web. Le connecteur ne permet pas de recharger les lance-roquettes, je pense. Ah. Aha! Aha! On va peut-être enlever quelques papillons de nuit alors. Les connecteurs ne permettent pas. Moi j'ai l'impression que si. On va le creuser, mais quand je prends les blocs, j'ai l'impression que le jeu crash. Non, ça va pas crasher. Ok, si le jeu recrache en prenant un bloc, j'arrête tout de suite de faire ça. Non, regardez. Il a été mettre ici. Les connecteurs vont jusqu'à ses lance-roquettes. Donc si, c'est bien armé. Non, non. Vous ne lui ferez pas perdre de papillons de nuit, je vous l'assure. Donc il gagne 7 papillons de nuit sur 11. On est content. C'est un très très bon vaisseau. Je vais répéter le nom, c'est le Space Cleaner de Sir Boubou. Et bien voilà pour les vaisseaux de Sir Boubou et Cuniculteur Jaculatoire. D'accord, salut mon ami. J'espère en effet que toi aussi tu ne t'appelles pas comme ça dans la vraie vie. En tout cas, tu es parmi nous et merci pour ton follow. F10, on continue avec Serious Geeks. Qui nous a fait le SSGX B3. Alors ici, on a beaucoup de lettres, beaucoup de chiffres. À quoi ça correspond? Il faudrait lui demander. Il faudrait demander à Serious Geeks. Mais c'est un geek, donc il aime bien tout ça, peut-être. Hein, comme tous les geeks. Alors, hop, voilà, on va faire un petit tour comme ça. Alors, on voit déjà que c'est de l'imposant. Hein. Ça, c'est le chasseur ou c'est le bombardier? On ne sait pas toujours différencier vos chasseurs et vos bombardiers. Hein. Donc ici on a un truc qui est à la fois chasseur et à la fois bombardier, j'ai envie de dire. Mais là, bon, là pour moi c'est plus compact, donc c'est un chasseur. Alors l'habitacle n'est pas un habitacle de combat, c'est l'habitacle standard d'un vaisseau standard en gros. Donc ça risque d'être assez léger, on pourra le détruire facilement, plus facilement que le cockpit de combat. Pour les côtés, on voit que le blindage, ça il y est, il y a une bosse énorme et il a des mitrailleuses à l'arrière. Donc je suppose qu'on peut les activer dans le panneau à l'intérieur du vaisseau. On peut activer et désactiver les mitrailleuses arrière à notre guise. Voilà, voilà. Ok. Bon, bah, j'ai envie de dire que c'est pas mal. Gatling, alors 3 et 3, ça fait donc 6. Ah non, il y en a deux devant, donc ça fait 10 en tout. Donc 10 Gatling et 4 lance-roquettes. Voyons voir pour ces réacteurs. Donc sur le côté, il y en a 5, mais il est quand même gros. Donc on va voir si ça tient. Sur le dessous, il y en a que 3. Ah non, 5 aussi. Donc ouais, comme je dis, on va voir. Je crois que c'est limite, c'est normal quoi. Et 4 sur le dessus, ça par contre ça va être un peu léger. Alors il y a ces lance-roquettes ça? Ah, il y a des lance-roquettes sur le dessus. Donc il tire dans tous les sens en fait ton truc. Il tire devant, derrière, au-dessus et en bas peut-être, j'ai pas vu. Non, en bas il y a rien. Non, il tire au-dessus, devant, derrière, à gauche, à droite peut-être. On va avoir la surprise. Alors, on va voir ça tout de suite. Il a une très très belle lumière verte à l'avant en tout cas. Boum, nous voici dans le. Ah mon dieu, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de chiffres. Le SSGX B3 de Serious Geeks. Donc, niveau vitesse, voyons voir, on va faire un petit test. Hop. Donc, il a quand même pas mal en poussée arrière, donc ça devrait normalement suffire. Voyons voir. Ouh, il est lent. 23, 24, 25, 26, 28, 29. Oula, c'est très très lent. Il est extrêmement blindé, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blindage. Donc, si c'est un chasseur. Malheureusement, moi j'ai envie de dire c'est un peu raté un chasseur. Normalement, ça doit être plus léger que ça. C'est un vaisseau tortue ninja. C'est un vaisseau tortue ninja. C'est clair, c'est un peu un vaisseau tortue ninja. On n'est toujours pas arrivé à la vitesse maximum, donc on va laisser tomber pour la vitesse, ça va pas. On freine. Freinage lent aussi, très lent. Mais c'est peut-être celui-là le bombardier en fait.
Donc c'est juste que les gens mettent le chasseur en premier, c'est peut-être ton bombardier. Donc on va mettre ça sur le coup du bombardier, on va pas dire que c'est un chasseur. Hop, et donc armement, des Gatling. Alors là, toi, t'en as beaucoup, et je crois qu'elles sont bien placées. Ouais, ça va. Même les Gatling sur le côté, ça va en fait, elles ne toucheront pas le vaisseau. Donc c'est bon pour ton armement. Quant aux lance-roquettes, boum, les lance-roquettes à l'avant, ça va, ils toucheront pas ton vaisseau non plus. Ils sont bien. Et j'ai vu que tu as mis des boutons on-off pour des mitrailleuses et des Gatling. Donc si par exemple là j'ai sur on 4 et 5 et sur off 5 et 8, donc je suppose que les mitrailleuses à l'arrière, ce sont les 4. Non, ce sont les 6. Donc je vais éteindre les 4 et je vais allumer les 6. Ah, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais non, il faut sélectionner mitrailleuse. Voilà. Donc là, il tire derrière. Et si j'allume, je peux aussi, si je veux, allumer toutes les Gatling pour avoir les tirs à l'avant et à l'arrière. D'accord, ça peut être intéressant. Et je vois donc que le 7, c'est donc pour mettre les lance-roquettes. Je vais couper tout. 7 y compris. Ça, c'est pour mettre le lance-roquettes au-dessus, pour balancer des rangées de lance-roquettes au-dessus du vaisseau. Et si on veut, on peut aussi activer le 5 pour mettre des doubles rangées de devant, devant et au-dessus. Alors ça peut être intéressant, faut pas croire. C'est pas du gâchis parce que si on passe en dessous d'un croiseur, par exemple, on peut passer en dessous d'un croiseur à pleine vitesse et balancer une rangée de roquettes. Donc là, ça peut vraiment, ça peut avoir un certain impact. Mister Pastèque est parmi nous. Bienvenue parmi nous, Mister Pastèque. Donc oui, le vaisseau est un bombardier, visiblement, et il a été bien étudié pour les attaques de croiseurs. Je trouve ça sympa. Il est très lourd. Il est très lourd au niveau du design, on va dire ce qui est. Il est pas très beau. Ça fait un peu le bossu de Notre-Dame. Et Alex du 67 est parmi nous également. Bienvenue à toi, merci l'ami, pour ton follow. Donc oui, en effet, ouais, efficace mais trop lent. Mais n'oubliez pas que c'est des bombardiers, hein. C'est plutôt un char d'assaut. C'est oui, c'est un tank quoi. Je sais pas. Je sais pas comment je pourrais le coter. J'ai envie de dire qu'il va être à. Moi je dis que je mettrais bien un petit. En tant que bombardier, on va lui mettre 4 tortues de mer sur 9. Parce que sinon c'est la moyenne. Et moi j'ai envie d'un truc pour atteindre la moyenne, il faut un minimum qu'il ait. Mais il y a quand même cette particularité. Non, je vais lui mettre la moyenne. Je vais lui mettre 4 tortues de mer sur 8. Comme ça. Parce qu'il y a quand même cette particularité de pouvoir tirer en l'air. Et je trouve ça intéressant. De passer à pleine vitesse en dessous d'un bombardier et lui balancer une rafale de roquettes. Et repartir sans problème, puisqu'on est à pleine vitesse. Vu qu'il a le temps de prendre sa vitesse. Je vais quand même lui mettre 4 tortues de mer sur 8. Alors, bon bah voilà, on en a fini avec notre bombardier de Sirius Geeks. Et maintenant, on a le SSG CH1, toujours de Sirius Geeks, qui doit être son chasseur. Voyons voir un peu ce truc. Voilà, oui, c'était le chasseur. Effectivement, le premier qu'on a vu, c'était bien le bombardier. Et là, on a un design sympa. Ah, c'est très aérien même. J'aime beaucoup. Et il a encore utilisé les lance-roquettes pour le dessus. On voit qu'il a l'intérêt d'utiliser ça. Et ces Gatling sont très très bien placés à l'avant. D'ailleurs, ça donne un côté combattant, j'aime beaucoup. Donc il y a 7 Gatling à l'avant et 2 lance-roquettes dirigées sur le dessus. Ce qui peut être une tactique de combat tout à fait intéressante. Puisqu'il s'agirait de passer en dessous des croiseurs pour leur balancer un tir de lance-roquettes. Et puis continuer à fond de balle, donc ne pas se faire toucher par ces Gatling. Donc c'est une tactique très intéressante. Ça gagne des points. Donc ça avait déjà gagné une tortue de mer sur l'autre. Mais ici, ça gagnera. Je sais pas quoi, il ressemble à quoi. Ah bon, quand on le regarde dans ce sens-là, on dirait un petit crabe. Enfin, soit. Dans l'autre sens, il fait beaucoup plus aérien. J'aime beaucoup le design. Ça, c'est une première chose. Il va gagner un peu plus de points, selon moi. Regardez, sur les côtés, c'est bien équilibré. Il y en a beaucoup. Donc ça va vite tourner. Sur l'avant, donc on devrait en avoir 4. Ça va encore, c'est un petit vaisseau, donc ça devrait l'encaisser. 8.
au-dessus et pareil en dessous, ça va. L'arrière est équipé d'un gros réacteur et de 5 petits, ce qui est tout à fait bon parce qu'un gros réacteur, ça a une très très bonne poussée. Et on voit qu'il y a des blocs de liaison, ça veut dire qu'il peut se séparer de ses ailes apparemment. Donc s'il peut se séparer de ses ailes, ça va donner... Ouais, s'il peut se séparer de ses ailes, ça devrait donner un design encore différent. Mais on va se poser la question, à quoi servent ces ailes? Il n'y a rien dessus. Donc les ailes du vaisseau, d'une certaine manière, ne servent pas à... Ah, il y a des... Oui, il y a des trains d'atterrissage, mais les trains d'atterrissage sont plus hauts que le bas du vaisseau, donc ça sert à rien. Ouais, ça, on perd un tout petit point, malheureusement, le design pas mal, mais malheureusement, les ailes se séparent, mais l'intérêt d'en avoir n'existe pas, puisqu'elles ne servent à rien. Donc c'est un peu, c'est un petit peu, ça perdra quelques points au niveau, non pas du design, mais au niveau de l'utilité. Voilà. Alors, c'est pour faire comme dans Gundam. T'enlèves la poussée inertielle et t'as un boulet de canon. C'est un truc de Halo? Ouais, je sais pas. Soit, on va s'amuser avec un petit peu et on va voir. Donc, on va prendre la poussée, voir la vitesse. 1, 7, 11. Bon, c'est pas le plus rapide des chasseurs, mais ça se respecte puisque bon, on est déjà voilà, on est à 50 mètres seconde en quelques. Ça veut dire que bon, voilà, encore un petit peu plus vite et on arrive tout doucement à 104 mètres seconde. Voilà, on y est. Donc, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus agressif des chasseurs, mais ça rentre dans les comment? Ça rentre dans l'avion de chasse quoi. Ça fonctionne quand même. Donc, au niveau de sa souplesse, au niveau du tournant, enfin du roulis, ça fonctionne très très bien. Voyons voir s'il freine bien sur le côté. Il freine extrêmement bien sur le côté. Il reprend sa vitesse un petit peu plus lentement. Voilà ce qui aurait été intéressant de mettre sur ses ailes. Au lieu de laisser les ailes vides, elles ne servent à rien comme ça, de mettre par exemple deux petits réacteurs sur chaque aile. Et je crois que ce vaisseau aurait complètement compensé son manque de vitesse au niveau de la propulsion. Voyons voir s'il tourne bien. Ah, il est très très agressif au niveau du tournant. Et on voit, ça s'éteint très vite, donc ça veut dire le tournant est très rapide. Non, c'est juste sa poussée arrière. Voilà, c'est vraiment sa poussée arrière. Niveau armement. Bon, niveau armement, il tire devant lui, grosse rafale de Gatling. Ça, il n'y a pas de problème. Et vous voyez, le nez descend un tout petit peu. Donc ça veut dire que c'est pas. Voilà, il n'y a pas de. Comment? Il n'y a pas trop de puissance de feu pour le vaisseau qui encaisse très bien les chocs. Il monte très facilement. Il descend très facilement. Donc voilà, il se manie bien, il freine très bien, tourne très bien. Problème, c'est sa poussée et ses ailes qui servent malheureusement pas à grand-chose. Ça aurait été intéressant de mettre des petits réacteurs, comme je dis, à l'intérieur de ce vaisseau. Voilà, ici par exemple, bah, tu aurais pu même en mettre 3. 1, 2, 3. Ça aurait fait 6 de plus, et crois-moi, ça aurait été. Et je suis sûr qu'au niveau de son énergie, on va voir. Consommation d'énergie, 16% en avancée tout droit. Si on fait vraiment 36%, donc oui, il aurait vraiment pu accueillir plus de réacteurs sans aucun problème à l'arrière. Voilà, c'est bien, mais comme d'habitude, il y a un problème. Et le problème ici, c'est les réacteurs arrière. T'aurais dû en mettre plus. L'avant est bien fait. J'aime beaucoup le design même. Il va gagner des points sur le design. Vraiment, c'est... Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Moi, j'ai envie de dire, j'en peux lire vos commentaires. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je lui mettrais bien même 7 étoiles de mer sur 10. Ce que vous en pensez. Alors, l'appareil dans le boulet de canon. Je pense qu'il avait des propulseurs modés dans les ailes. Non, il n'en avait pas. Parce que sinon, le mode aurait dit impossible de charger ceci avec le mode. Et or, il n'en avait pas. Ça, j'en suis sûr. Alors, les ailes peuvent servir de projectiles? Pas du tout. Non, non. Oui, de lancer des blocs sur un vaisseau, ça fait rien du tout. Enfin, ça fait beaucoup moins que de lancer des missiles, donc au final, c'est beaucoup de boulot pour pas grand-chose. Non, je crois pas que c'était l'intérêt du créateur de faire ça. Enfin, j'ai oublié de dire aussi, il a un connecteur, donc le connecteur qui descend avec des convoyeurs. Donc, ouais, ça a l'air d'être plutôt bien géré à ce niveau-là. On voit qu'il y a quand même un boulot suffisant. Alors, où il met les lores pour les... dans les ailes. Voilà, mais je lui mettrais quand même parce que je trouve que le design est sympa et qu'il serait facile à upgrade. Ça veut dire qu'il suffirait de lui mettre
quelques réacteurs dans les fesses et ça irait beaucoup mieux et il serait vraiment très 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 efficace, je crois. Donc on va lui mettre donc 7 étoiles de mer sur 10. Moi je vais lui mettre 7 étoiles de mer sur 10 à notre ami Sirius Geeks pour son autre vaisseau, son chasseur. Donc qui nous a fait le SSGX-CH1. Et le premier c'était le SSGX-B3. Alors B3 peut-être parce que les bombardiers B2. Alors B3, donc c'est CH1 parce que je sais pas. Voilà. Alors, on passe maintenant à Mister Twinkies. Mister Twinkie qui nous a fait le Mad Cat, le chat malade, mais pas malade dans le sens contaminé, mais dans le sens complètement fou. Donc voilà, le chat fou, le chat timbré de Mister Twinkie. Donc ça, c'est le bombardier, hein, ça j'en suis sûr. Mad Cat War Machine, machine de guerre, quoi. Donc, avec des belles lumières rouges à l'avant, donc ce qui colle bien avec le design du vaisseau, faut le dire. Donc ça donne un côté sympa. Alors il a comme ceci il a fait un design sympa, on dirait des tranches comme ça. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ah, c'est assez intéressant. Alors ici par contre la forme est un peu bizarre parce que regardez ici il y a un bloc de trop, j'ai l'impression, qui remonte pas là. Mais bon, on peut pas non plus faire l'excellence incarnée. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, voyons voir l'armement. 2, 3. Donc, 6 Gatling. Non, 8 Gatling. Sur chaque côté. Plus. Donc, non, 4 Gatling sur chaque côté. 4 lance-roquettes sur chaque côté. Ce qui veut dire 8 Gatling et 8 lance-roquettes. Ce qui fait beaucoup de lance-roquettes. Ce qui fait beaucoup de Gatling. Donc, Mateovski, bienvenue, bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Au niveau de la propulsion arrière, faut le dire, elle a l'air assez. Elle a l'air bien suffisante pour le vaisseau que c'est. Donc au niveau du connecteur, il est bien placé à l'arrière, à l'abri des réacteurs pour parer les brûlures. Ah, on peut voir à l'intérieur. Ouh là là, c'est intéressant tout ça. Bon, je vois. Coucou, il y a quelqu'un? Oui, je vois pas grand-chose où on pourrait y. En fait, on peut pas y aller, mais on peut voir à l'intérieur. Donc il y a des circuits, il y a de l'éclairage. On voit qu'il y a un travail sur ce vaisseau. Et ça, je le retiens. Donc, vraiment, on peut voir l'intérieur du truc assez pas mal. Et donc, il y a un réacteur à l'intérieur qui ne brûle pas donc la surface. Parce qu'il a certainement été mis de manière à ce qu'il puisse encaisser ce genre. À ce qu'il ne brûle pas l'avant du vaisseau. Donc, c'est un plus encore au niveau du frein. À moins qu'il n'ait que ça. Oh putain, il n'y a que ça. Il n'y a que deux réacteurs pour freiner. Alors, lui, il va être extrêmement lent à arrêter. Mais c'est des gros. Ah, c'est des gros réacteurs. C'est moi qui suis con. Non, ce sont des gros réacteurs pour le freinage. Donc ça va en fait. C'est l'équivalent de. C'est même plus fort que 6. Donc oui, c'est très très bon. Et j'ai rien dit du tout. J'ai rien dit. C'est très bien pour freiner. Très bien pour la propulsion. Arrière-côté, etc. Tout m'a l'air bien étudié. Donc on va maintenant rentrer à l'intérieur et voir un petit peu les performances. Alors on peut aller dans les caméras. Donc on a la 3 et la 6 qui est la caméra arrière. Et la 3 qui est la caméra à l'avant du vaisseau. Le 1, ce sont donc les Gatling, ici, qui sont donc tout à l'avant, et qui normalement ne devraient absolument pas toucher le vaisseau. Donc ça va, c'est très bien, elles sont bien mises. Ça balance quand même ça balance du lourd, hein. Au niveau des lance-roquettes, ils sont très bien mis aussi, ils ne toucheront pas le vaisseau. Donc il a mis des lance-roquettes de ce type-là, au lieu de mettre des lance-roquettes rechargeables. Donc il faudra les recharger une fois avant le démarrage. Ou là j'ai un freeze, ne crache pas, c'est bon, ça va aller pas cracher. Donc il faudra les recharger à chaque fois avant le combat, mais c'est pas mal non plus parce que ils ont une plus haute. Comment? Ils ont plus de vitesse de tir que les lance-roquettes plats. Parce qu'ils ne s'arrêtent pas. Ici, les lance-roquettes plats, ils doivent se recharger. Ceux-ci, ils peuvent tirer sans arrêt tant qu'ils ont des munitions. Alors, Mad, c'est mauvais. C'est mauvais. Non, c'est bad, mauvais. Ah bah oui, maintenant, t'as répondu, d'accord. Le devant avec les lumières rouges ressemble à un visage. Ah bon? Ah, oui. Parce qu'il y a des blocs qui font comme des yeux ici. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas, ça va, c'est pas mal. Je sais pas s'il a vraiment voulu faire ça.
Mais ça fait un peu Transformers l'avant comme ça. Je trouve. Vous trouvez pas? Moi, je trouve que ça fait un visage de Transformers. Soit, c'est pas mal du tout. Est-ce que tu as voulu faire ça ou pas? Mais en tout cas, ça y ressemble. En tout cas, c'est pas mal, c'est joli. Le design est pas mal. Voyons voir la poussée. Maintenant, l'armement est très bien aussi. Hein. Donc, c'est un bombardier, effectivement. Voyons voir pousser. Boum, j'avance avec les réacteurs qui font que il est encore plus rapide en poussée que notre chasseur qui a reçu des étoiles de mer. Voilà, au niveau du tournant, hop, est-ce que ça tourne bien? C'est un peu lent. Voilà, il tourne donc, il part encore. Normalement, les réacteurs devraient s'arrêter à gauche, mais c'est très lent quand même. C'est lent. C'est lent, mais c'est un bourrin, quoi. C'est normal, c'est fait pour. Alors, on peut le faire freiner avec les réacteurs arrière, ça ira beaucoup plus vite. On va voir pour le freinage. Donc, on va le faire, on va le pousser. Ici, on va le pousser à une vitesse de 100, bah, 104, hein, fond de balle. Donc, j'active les amortisseurs d'inertie. On est à 80, 90, allez, hop, voilà, 104. Et maintenant, on va freiner avec donc nos réacteurs à l'intérieur. Paf, donc ça freine. Ça freine très bien. Donc ça, c'est très bien. Il y a déjà une bonne... il y a de la réponse. Il est peut-être un peu lent à tourner sur les côtés. Il n'en a que 6 par côté. Et c'est vrai qu'il est très imposant. Mais je pense que c'est pas grave, c'est un bombardier. C'est aussi le but d'un bombardier. C'est pas de faire de faire des loopings. Donc vraiment, ça va. Je crois qu'il mérite pas mal de points parce qu'il est un peu plus travaillé que les autres. C'est vrai que le design un peu carré, un peu... Je sais pas, un peu gros, un peu écrasé comme ça. En plus, c'est pas mon style. Mais il y en a qui aiment bien, je sais bien, un peu massif, hein, ça fait mastodon, ça fait un peu Transformers, hein, ton truc, c'est vrai, hein, n'empêche, ça fait un peu Transformers, c'est pas mal du tout. Je lui mettrai, on va monter un petit peu, hein, pour celui-là, je lui mettrai 8 Megan Fox sur 12. Je sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je lui mettrai 8 Megan Fox sur 12. Ça me semble une bonne note pour ce vaisseau qui a quand même plus que la moitié. Il doit avoir plus que la moitié, mais il doit se trouver encore un tout petit peu plus au-dessus que la moyenne. Donc 8 Megan Fox, 8 Megan Fox sur 12 adjugé pour notre ami Mr. Twinkie au niveau de son bombardier. Donc voyons voir maintenant le Mad Cat et après nous avons The Light Knight, toujours de Mr. Twinkie, qui doit être donc son chasseur.